Donc on continue notre arène, on vient de faire la decklist, hein, de choisir nos cartes. On est mage et on attaque. On a 3 torches oubliées, je crois. On a un éclair de givre. Au niveau des sorts, on a un truc qui envoie un point de dégâts à tout le monde, enfin tous les adversaires. On a un métamorphose. On n'a pas d'épique et on n'a pas de légendaire. On a eu franchement un mulligan assez dégueulasse, je trouve. Mais on va peut-être réussir à faire quelque chose, hein, je sais pas. J'ai pas beaucoup de T2. En fait, on fait. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que si jamais le pal. On va quand même pas jouer ça. Je vais garder la mystique de Kezan, c'est peut-être une bêtise, mais je me dis qu'on sait jamais. Bon, le limon, ça peut être pas mal s'il sort une championne. Du coup, bon, on a 2 cartes situationnelles. Théoriquement, il faudrait pas que j'hésite à sortir le limon. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il va me faire? Un Worgen. Donc là, le Worgen, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour moi. Sachant que je n'ai pas de... Ouais, bon, tant pis. Je vais garder, hein, je vais garder mon limon au moment où il sort la championne. Ok, donc là le Worgen il va attaquer avec normalement. Ah non, ok. Bon, pour le moment, on temporise comme on peut. Ah! D'accord, ok. Je comprends sa stratégie. Je crois que je pourrais inverser la. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je mets direct un. Non, je pense qu'il faut que je continue. Faut que je continue comme ça, tranquillement. Là, il trade, il se retrouve avec un Worgen 4-2. Ah, d'ailleurs, il va invoquer d'autres créatures. Ouais. Oh là 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 là, là ça va devenir dur. Là. Ouais, là, là il se sacrifie pour. Ah non! Ah bah alors ça. Ne me pressez pas. Vous priez, défaillant. Bah de rien mec, de rien. J'espérais secrètement qu'il me sorte... Bon là au tour 6 on va pouvoir jouer un invocateur sans visage. Oh là là, ça y est là, ça y est, le voilà qui sort du bois. Ah non, il sort pas du bois. Hein. Il sort pas du bois, du coup... Du coup là, j'ai presque envie de jouer une provoque là, parce que... Du coup, le limon, j'ai presque envie de le jouer. En même temps, c'est vrai qu'on est en arène, il n'a pas forcément chopé son arme. Tant pis, je joue mon limon et c'est là qu'il va me sortir une arme, tu sais. Ok, chevalier Morlock. Ok. Ok. Ah, on est mal. On est mal, on est mal, on est mal, donc on n'a pas de torche oubliée.
Je peux jouer Drake Azur pour piocher et essayer de choper un sort. Ah, mais c'est 3 la torche oubliée, mince. Oh là là, nous sommes mal, nous sommes mal. Et là, le crash base. Alors là, faut m'expliquer. Comment c'est possible? Ok. Ah, il sacrifie son chevalier Murloc pour garder en vie son... Alors là, bien sûr, Atis Flamme, Torche oubliée. Attends, non, d'abord. J'ai 5, hein. J'ai 5, d'accord. Donc. Voilà. Torche oubliée à gauche. Allez. Voilà. Ça, c'est cool. Bon, on est globalement super mal. On est super mal. Il joue pas de secret, le mec. Ok. C'est vrai que l'arène, ça change quand même vachement du construit, parce que du coup... Oh, deuxième chevalier Murloc, quoi. Oh là là. Le mec. Ok, donc là... Ah, mais moi, ça fait quoi, ça? Vous piochez une carte. Ouais, bah moi, c'est le chevalier Murloc que je veux tuer, moi. Oh, c'est dégueulasse, ça tire pas sur le... je peux booster mon Atis Flamme, ou je peux... Oh, remarque, c'est peut-être mieux de faire ça. Comme ça, il va tuer l'Atis Flamme, mais... Voilà. Il enchaîne. Oh, il enchaîne sévère. Hein. Bien joué. Oh, aïe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Au secours. On va tenter ce truc-là. Ouais, d'accord, ok, c'est pas top. Bien joué. Quel est mon plan de vol? Bon bah de toute façon. C'est fait. Bien joué. Ouais bon je suis pas sûr qu'on arrive à faire grand chose avec ce deck hein. J'aurais dû sortir mon limon tout de suite, je pense que c'est ça qui fait que j'ai perdu la game en fait. Alors là, faut m'expliquer. Ah, le mec veut piocher en fait. Ok. Ah, il trade tout hein. Oh là 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 là, remarque, dans un sens. Heureux de vous rencontrer, je vous surveille. Oh là 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 là. Ok. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur, elle gèle. C'est cool. On peut se soigner, on peut faire ça. Donc, ok, donc on va. Ouais, on va faire ça là, tac. Voilà. Voilà. Bien joué.
putain de merde. Bon, écoute, je vais mettre la mystique de Kezan, hein. Je vais la mettre parce que... Donc j'ai soigné mon machin parce que je me suis dit il sera plus dur à tuer. Et que de toute façon je suis déjà à 13 PV, donc de toute façon c'est pas 2 PV près, je crois que je suis quasiment mort. Donc là, si je veux m'en sortir, faut que je reprenne la board d'urgence. Mais ça me paraît compliqué, lui il a plein de cartes, moi j'en ai que 2. Oh, le mec il a tout quoi, on est en arène, il a tout. Le mec il a tout. Ah bah oui. Ah oh non mais Allez. C'est ridicule. C'est ridicule. Ah ça c'est gentil par contre de me donner +1/+1 C'est sympa. Merci. Donc là, bien sûr. Qu'est-ce que je tue là à gauche, hein. Je sais pas quoi dire. C'est là, ambiance, papy fait de la résistance, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il veut tout trade, lui. C'est, je suis à 13 PV, il aurait pu me tuer depuis tout à l'heure et je pouvais rien faire, mais je sais pas, il fait mumuse. Ah bah oui. Légende de la main d'argent, d'accord. Ok. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais, ça y est. J'ai pas eu le truc qui gèle, qui inflige un point de dégâts à tous les adversaires là. Ça aurait été cool. Ouais, bon, ça, j'en ai un peu rien à secouer. Bah ouais, non, mais là, c'est fini, en fait. C'est fini. Eh oui. Eh oui, c'est fini. On va tuer cette unité juste parce que... voilà. On va laisser nous tuer. Et on va attaquer la deuxième partie. Oh là 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 là. Mais comment ils peuvent avoir des tirages aussi bons les mecs quoi. Bon allez, abrège. Bon, bah ça commence moyen cette histoire. 1-0, enfin 0-1. J'aimerais bien faire mieux que la bulle quand même. Et je sais pas si le deck qu'on a construit là, enfin que j'ai construit, et nous permettra d'avoir une victoire. Parce que. Oh là 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 là. Ouais, il y en a qui choisissent prêtre en arène. Bon, bah là. On relance tout. Ok.
ouais, je vais peut-être pas non plus ouvrir un docteur vaudou en entrée, ça serait quand même ça serait un peu dommage. Le docteur vaudou, faut le plus le voir comme un machin pour soigner une unité qui serait super. Super l'adversaire mystérieux. Bon, l'avantage, ça nous fera une 6-6 pour 3, quoi, mais. Ok. Ouais, bon, on va la mettre. Hein. Là, normalement, il me rate. Il me rate, il go face. Allez, vas-y, go face. Ok. Et il me rate. Normalement, il me rate. Ah non. Il me rate pas. Et je suis un peu vénère. Ok. Il me rate pas. Je pourrais mettre ma torche oubliée là, mais. Il va le soigner normalement. Oh, il va piocher, bien joué. Ok. Voilà, faut bourrer, hein. Je pense qu'il faut bourrer là. Faut bourrer. Si on arrive à faire en sorte que le Drake survive, la torche fait 4 et donc c'est cool, je peux one shot. Je peux one shot les deux trucs tranquillou là. Et s'il veut la tuer et qu'il a pas de sort, s'il veut tuer mon Drake, il est obligé de sacrifier ses deux unités. C'est quand même assez jouissif. Je dois réfléchir. Oh la vache. Ok. Ah, il a réussi, hein. Il a réussi, il est obligé de sacrifier quand même. Ok, bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Il avait bien bossé. Donc là. Ouais, hein. Je pense que. Torche oubliée. Qu'est-ce qu'on a? Camouflage. Ouais, non, faut tuer. C'est bien qu'ils les aient nerfés, les gnomes, parce que franchement, ils étaient trop puissants, quoi. C'était vraiment abusé, le gnome d'épreuve. Là, on n'est pas si mal. On va pouvoir jouer tranquillou un invocateur sans visage, je pense. Ou, on arrive au tour 7, on peut faire 4 et 3. En fait, celui-là, machine volante, c'est un peu pourri. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, en fait. C'est vraiment pourri en réalité. Ok. Deux points à tous les serviteurs. Ouais, mais du coup, je mets quoi? Ah, si, remarque.
Ça c'est pas mal. Voilà. Du coup, provocation. Et on attaque. On enchaîne, hein. Faut agresser. Faut agresser. Là, pour peu qu'on chope une petite boule de feu, on est bien. Là, il doit se sentir un peu en danger, le mec. Oh, Nova sacré, c'est abusé. Bien joué. Ah, il va le soigner, hein. Il le soigne. Ok. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur et le gel. 4 et 4, 8. Putain, il nous manque 8 et 1. 9, il nous manque 2 points pour le létal. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On va plutôt faire comme ça. On va assurer. On va jouer tranquillou notre invocateur sans visage. Et on a le droit à quoi? Un tracker lugubre. Ok, bon. Un tracker lugubre. Et là, là, c'est pas mal. Parce que là, même s'il nous refait encore une Nova sacrée, on le met à 1 point. Enfin, il peut se soigner. Ouais, non, il serait à 3. 3, s'il fait Hero Power, il serait à 5. Récupérer 4, ça te fait à 11. Ah ouais, non, il serait à 7. Non, mais 7 et 4. 11, ah ouais, si, c'est ça. 11 moins 5, 6. Ouais, non, il serait à 6. Voilà, Nova, ok. Putain, il les a, hein. Le mec, il a... On est en arène. Hein. On est en arène. Ah, du coup, il a pas pu se soigner. J'ai pas une provoque qui traîne là. Camouflage. On va mettre des unités. Hein. Honnêtement, le mec il a 50% de chance de se gourer de cible. Il m'a déjà fait deux Nova sacrés, il va pas m'en faire une troisième, même si on est en arène quand même. J'aurais envie de dire que on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On n'a peut-être pas le létal, parce que tout dépend de où tape le Brutogre. Oh non, attends... Franchement, là, c'est absolument ridicule, quoi. C'est absolument ridicule. Et il tape dedans. Ok. Il a la troisième Nova sacrée, le mec. Le mec, il a pris sur son mulligan, enfin, sur son... Mec, trois... L'arène, c'est tranquille, tu vois. Trois Nova sacrées, tranquille. Bah, le limon, j'ai joué mon limon, hein. Allez. Bon, maintenant que ça a été boosté, c'est pas mal. Hein. 2-3, ça fait une 4-3, c'est pas mal. Bon là, il fait quoi là? Mind control, ça prend 10 points de mana, il a perdu. Ensevelir, 6, il lui reste 4, il peut se soigner de 2, il a perdu. Il reste, enfin, il faudrait qu'il arrive à se soigner avec les trucs, les flash heal, qui coûtent 1 et qui mettent 5 points de vie, là. Enfin, là, là je pense que... Attends, je vais dire bonjour, quand même. Bonjour. Je dois réfléchir. Oh, le mec.
Je crois que là, il a abandonné, en fait. Il se sera bien battu. Ça, on peut pas le lui reprocher, ça. Je crois que là, ça y est, il est parti. Il est en train de maugréer toute la misère du monde. Il est parti. On a une victoire. Yes. Bon, on n'aura pas pris la bulle.